FR Delinet, bonjour à tous. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Demain nous appartient », spoilé, Sacha essaie de se suicider, il n'a aucun moyen de sortir. Sacha est au plus mal dans « Demain nous appartient ». Aurore, quant à elle, est bien déterminée à éloigner Roxane en mai 2021 sur TF1. Après la levée de sa garde à vue, Sacha se rend à Frontignan. Océane lui oppose une fin de non-recevoir. Le père de Solène et Ben commet un geste désespéré, tandis qu'Aurore entre en guerre contre Roxane, dans « Demain nous appartient » en mai 2021 sur TF1. Martin, Franck Monsigny, obtient de Xavier, Charles Lelor, l'autorisation de mener une perquisition chez Juliette, Mathilde Lebrequier. Son objectif, découvrir un élément pouvant accréditer l'implication de Sacha, Renaud Roussel, dans la disparition de Clémentine, Linda Hardy. Karim, Samy Garbi, met la main sur une pelle où du sang a été nettoyé. Martin est convaincu qu'elle a servi à faire enterrer le corps de la compagne de Sacha. Malgré la découverte chez Juliette, Sacha ne se désarme pas. Il continue de nier avoir tué Clémentine. Martin apprend que l'ADN de la mère de Garance, Esther Valding, n'a pas été retrouvé sur la pelle. Il est contraint de mettre fin à la garde à vue de Sacha. Un peu plus tard, celui-ci se rend à Frontignan, dans l'espoir d'avoir une explication avec Juliette. Océane, Elisa Noyer, s'y oppose fermement. Acculé, Sacha absorbe de l'alcool mélangé à une importante dose de médicaments. Ils foncent ensuite à vive allure dans la forêt. Parallèlement, Roxane, Raphaël Volkoff, concède à accepter la proposition de Georges, Mayel et Lajaoui, de rejoindre le pôle scientifique de Sète. Aurore, Julie de Bazac, voix rouge. Pour elle, il est inconcevable de travailler avec Aurélie Doumergue au commissariat. Elle tente de faire réagir Martin, en vain. La capitaine Jacob se tourne ensuite vers Sarah, Camille Genoux, également sans succès. Déterminée à condamner toute arrivée de Roxane au pôle scientifique, Aurore promet que le pire va arriver. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.